Je m'appelle Alexandre Bernat. Je travaille comme chauffeur au Parlement. C'est un métier que j'ai pas exercé tout de suite, comme j'ai d'abord travaillé un petit peu pour le cabinet d'un commissaire à la Commission. Je suis né à Roulers, c'est le côté néerlandophone de la Belgique. Je voulais absolument venir travailler dans une grosse ville cosmopolitaine, si vous voulez. Une ville qui ouvrait un petit peu plus ses horizons. Et je voulais voir le grand monde, en fait. J'ai de bons souvenirs, là où j'ai grandi, mais bon. J'ai établi ma vie ici, mes enfants sont ici. Je dois dire honnêtement, je ne suis pas encore venu un jour contre mon goût au travail. Et je trouve ça très important, arriver le matin, ah, comment ça va, tout le monde est de bonne humeur. Et j'espère que ça peut durer comme ça pour le reste de ma vie. Mes parents m'ont toujours appris de vivre dans le respect d'autrui. On travaille quand même avec des collègues qui sont de différentes nationalités. Donc on doit s'entendre, vouloir ou pas. Et je pense que c'est très enrichissant. Dernièrement, j'ai eu un collègue qui venait de Luxembourg avec un directeur général. Il avait une réunion très importante ici à Bruxelles. Et juste avant l'arrivée sur le ring, avant d'arriver à Bruxelles, une vingtaine de kilomètres d'ici, il a le pneu de sa voiture qui éclate. Il m'a téléphoné en catastrophe. Il dit, ah, Alex, tu sais pas vite venir me dépanner ici. Bon. Il a suffi qu'il disait qu'il était dans le pétrin. J'ai sauté dans la voiture. Un quart d'heure après, j'étais là. J'ai su dépanner le directeur général. Il était à temps pour sa réunion. Notre trou, il est évidemment sur l'échelon du travail au sein de l'Europe, il est petit. C'est un service qu'on rend, mais bon, on peut le faire de manière assez professionnelle. Et je pense ici, dans notre cas, vu qu'on a un bon team spirit, ce qui est très important, on doit pouvoir compter les uns sur les autres. Liberté, égalité, bannir la pauvreté, l'Europe c'est notre futur, ça ne tient qu'à nous.